Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un bon plan sac à main. Donc je sais que vous êtes nombreuses à aimer les sacs à main, moi j'adore ça, j'en ai un pratiquement pour chaque occasion et c'est un accessoire pour moi qui finalise vraiment vraiment une tenue. Donc voilà, alors là le site que je voulais vous présenter, c'est le site Celsius Girl. Donc ils m'ont contacté, donc je vous dis franchement, ils m'ont contacté pour une collaboration. Et du coup, avant d'accepter, je suis partie naviguer sur le site. Et c'est vrai que franchement, j'ai vu les sacs super jolis et assez original, des sacs en plus pas chers, hein, mais vraiment à partir de 34 euros, vous avez des magnifiques sacs. Et là, je voulais vous faire partager quelques sacs. Alors, j'en ai choisi 4 et c'est des sacs un peu qui me correspondent. Hein. C'est vraiment les sacs qui me correspondent. C'est ce que j'ai l'habitude de prendre. Donc, moi, j'aime bien un peu changer, mais voilà, avec des petits détails. En général, la forme du sac, elle reste plus ou moins la même, mais il y a des petits détails comme ça qui peuvent changer. Alors, je vais commencer par celui-ci. Alors, celui-ci, c'est vraiment... Alors, pour commencer, ça a été super rapide. Hein. Super rapide. J'ai reçu la commande en même pas... En même pas 15 jours. En général, hein, les commandes qui viennent de Chine ou autre, ça met quand même pas mal de temps. Et là, c'était assez rapide, donc j'étais assez étonnée de voir le colis arriver. Là, je vais vous partager alors ce modèle. Alors, ce modèle, on va dire que c'est le sac que je pourrais prendre tous les jours. Alors, je le trouve super mignon avec ce petit détail. Donc, il y a ce petit pompon. Alors, après, celui-là, vous pouvez le retirer et puis bah, vous le mettre dans n'importe quel sac. Donc, super joli, j'aime beaucoup. Et voilà, il peut se porter comme ça, à la main, ou alors en bandoulière. Alors, ça, c'est super pratique. Et à l'intérieur, il y a une pochette. Voilà, il y a une pochette à l'intérieur. Hop, on peut resserrer comme ça. Alors, si on veut un sac plus large, on l'ouvre. Les pressions. Et voilà, on a un sac plus large. Et à l'intérieur, si vous avez des choses, hein, je sais que pour celles qui prennent les transports en commun, je suis restée longtemps dans les transports en commun, on a une petite pochette comme ça. Vous voyez? Alors ça, c'est assez pratique. Hein. On peut mettre tout ce qu'on a, le portefeuille, portable, etc. Et puis, la remettre à l'intérieur. Voilà, l'accrocher avec ça. Et puis, on n'en parle plus. Et puis, voilà, je trouve super joli. Et c'est du simili, mais une très bonne qualité de simili. Alors ça, c'est mon... chouchou, c'est mon coup de cœur. Alors quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit c'est celui-là, ça c'est le genre de sac que je pourrais aussi porter tous les jours, hein. Genre de sac que je porte. Alors là j'ai choisi du noir, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup beaucoup de sacs de couleurs, je suis beaucoup dans les couleurs moi, camel, beige, écru, taupe. Et au final, j'ai très peu de noir. J'ai plus beaucoup de sacs noirs. J'ai même des sacs roses, des sacs en doré. Mais j'ai plus beaucoup de sacs noirs. Donc là, je me suis dit, un retour au noir. J'ai envie de reprendre du noir. Alors, ce sac-là, il est tout simple. Le cuir, enfin, le simili-cuir, c'est du simili, hein, pareil. Il est assez rigide. Il se porte comme ça. Alors moi j'aime beaucoup les sacs qui se portent comme ça. Vous voyez pourquoi moi je les porte comme ça. Vous voyez, je les mets. Je suis souvent en voiture. Hein. Je suis souvent en voiture. Donc ce genre de sac pour moi c'est l'idéal. Donc il y a de quoi mettre un paquet de lingettes hein, quand même. Donc moi pour moi, c'est pour ça que il n'y a pas de mini sac avec moi. Il faut toujours un paquet de lingettes, des mouchoirs, une petite bouteille d'eau, enfin ce qu'il y a quand on a. Quand on a des enfants, 2-3 bonbons pour les calmer aussi. Donc voilà, le portefeuille. On a cette petite pochette. Alors, oh, ça se fait comme ça.
Voilà, une petite pochette comme ça, c'est sympa, où on peut mettre, je sais pas, la pièce d'identité, des petits papiers, une petite note. Et la lanière pour l'accrocher en bandoulière. Donc celui-là, c'est vraiment mon chouchou. Donc il y a pas mal de couleurs, hein, n'hésitez pas. Je vais tout vous mettre les informations en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et en tapant mon code promo Toria 10, de toute façon, je vais tout noter. Vous avez 10% sur chaque sac. Voilà, on continue. Alors on va continuer avec là, c'est une couleur. Donc ça c'est bien. C'est qu'il y a de la couleur. Alors, pareil, hein, j'ai beaucoup de doré, j'ai beaucoup de couleurs, mais j'avais pas d'argent. Et je cherchais un sac, 2-3 bricoles, parce qu'avec les enfants, pareil, hein, il me faut des couches, il me faut des lingettes, il me faut change, il me faut quelques. Donc j'avais besoin d'un sac cabas, et ça pour moi c'est l'idéal. Vous voyez, ou même quand on sort, hein, qu'on va marcher un petit peu, on va prendre un genre de petit sac comme ça, c'est pas mal, où on met un peu de tout. Et bon, j'ai mis ça, j'ai mis ces ballons de plastique pour vraiment vous le montrer avec l'effet bien rempli, parce que un sac bien rempli, on le voit toujours mieux. Donc voilà, pareil, hein, je vous mettrai hein, toutes ces informations en barre d'infos. Et voilà. Après ce qu'il a, il y a ces petits pompons là. Pareil, il existe dans d'autres couleurs. Et en fait, il y a du doré, il y a une petite touche de doré. Donc c'est argenté, mais la petite touche de doré, je trouve que ça fait tout, c'est pas trop trop chargé. Donc voilà, on continue avec le quatrième sac. Le quatrième sac, c'est celui-là. Celui-là, alors pareil, je vous dis que c'est mes chouchous en fait, les trois, mais c'est normal, c'est moi qui les ai choisis. Et genre de sac-là. Je trouve ça tellement pratique. Alors, on a même une petite pochette à l'intérieur, vous voyez? Mettez une petite pochette. Alors, ça, c'est super pratique aussi, hein. En général, je mets toujours moi une pochette de moi que je trouve et que je mets dans mon sac pour séparer vraiment tout. Alors, ce sac-là, sac genre seau un peu, hein, vous voyez? Avec ce détail. Alors, c'est le détail qui fait tout, hein. Pour moi, j'adore. Ce détail, il est sur les côtés. Voilà, il est assez grand, assez rigide. Il fait vraiment pas plastique, hein. Je sais pas, il fait qualité quand même, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce sac. Et sachant, ça permet de changer de sac vraiment à petit prix. Ouais, c'est super mignon. J'aime beaucoup. Et si vous voulez, en fait, je vais regarder pour un autre sac. Donc là, il me faut un sac à dos. Donc c'est vrai que moi, je suis fan de sac à dos hein, aussi. Mais il y a certains vêtements, certains, je ne sais pas vous. Alors moi, j'ai une doudoune en ce moment, j'ai une doudoune. Et un sac à dos avec une doudoune, j'arrive pas à bien serrer. Donc mon sac, il est vraiment tout, tout, tout petit. Il m'en faut vraiment un autre. Donc ce que je propose, c'est qu'on commande ensemble, en fait. Hein, comme ça, vous pouvez voir. Bah, comment ça se passe, les différents sacs sur le site, un peu le site, je vais vous faire découvrir un peu la navigation. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve tout de suite.